Alléluia. Amen. Et ça, les cambou, y a quantité, tu sais. Ce n'est pas le problème des quantités. Mais et ça, les cambou, y a qualité. Mais c'est un problème de qualité. Nous sommes à Congo, ma Congo, Mobimba. Dieu peut tuer tout le Congo. À Biscar, à 100 personnes. Il laisse en vie 5 personnes. 100 personnes. 100 personnes. Nous sommes besoin d'un pour ça. Dieu a besoin. Des gens qui sont sur sa volonté. Il a dit qu'il aime les gens qu'il aime. Mais il n'a pas dit qu'il aime les gens qui vont à l'église. Mais je sais que ce genre de choses, les gens n'aiment pas ça. Mais aujourd'hui, vous allez écouter ce aujourd'hui, vous allez écouter. Jésus va te demander. J'ai envoyé mon ambassadeur ce jour-là. Est-ce que tu n'as pas écouté? Tu rentres dans la prière avec des ceintures. Tu rentres dans l'église avec deux hommes. Au Congo, on dit qu'il n'y a pas un mari d'autrui. Un mari pour tout le monde. Il y avait un homme et une femme à Eden. Et les gens ont détruit les promesses de Dieu. Ils ont pris les choses de Salomon et de David. Bien-aimé, tu es ici dans ces lieux. Aujourd'hui, c'est ton jour. Frère, mon frère, écoute la parole de Dieu. Il y a des gens qui jouent la musique, ce sont des incrédules. Alléluia. Amen. Qui va faire pour toi? Nous crions vers Moïse. Nous devons crier vers Dieu. Qui a ouvert le chemin pour ce pays. Il veut changer les données dans ces pays. Commence à manger les safous qui sont tout petits. Amen. Amen. En Europe, il n'y a pas de plantation de safou, mais on mange de gros safou. Il n'y a que des petites arachides. Et quand tu veux les ouvrir, ça te fait mal aux doigts. C'est pour le souci de notre nation. Ou le souci de moi et mes enfants. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Lève-toi, mon frère. Moi aussi, je me lève. Nous allons prier. Dieu cherche des élites dans ces pays pour construire ces pays. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème de bénédiction. Aujourd'hui, c'est le problème de royauté. Amen, 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 amen. Parmi nous, on ne sait pas. Peut-être que cette année ne va pas arriver à sa fin. Mais c'est lui qui rajoute le jour. Il veut te rajouter de jour. Il veut te rajouter de jour. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Les gens qui vont rentrer dans le royaume des cieux, il n'y en a pas beaucoup. Si tu essaies de combattre les serviteurs de Dieu, aujourd'hui tu ne vas pas essayer ici. Parce qu'aujourd'hui on va te ramasser dans ces lieux. Aujourd'hui on va te ramasser. Il est Dieu. C'est Dieu là et Dieu. Pourquoi on est en silence? Aujourd'hui, nous devons crier. Il faut que Dieu aide cette nation. Pourquoi on a mis des masques?
Parce qu'en 2019, Dieu m'a fait voir ces choses. Il y a une maladie qui va arriver, qui va tuer beaucoup de monde. Mais priez pour la nation entière. Parce que Dieu va épargner cette nation. Dieu a épargné cette nation. Amen. Moi je suis osé. Du temps de la fin. De ne faire que la volonté de Dieu. Nous sommes venus dans ces lieux pour Dieu. Si c'était que pour nous-mêmes, nous n'allons pas venir ici. Mais je veux que tu comprennes une chose. Dieu a fait cette salle pour comme une enveloppe. Il veut te faire quelque chose ce soir. Tu es rentré dans ces lieux parce que ton nom est écrit là-haut. C'est pourquoi tu es arrivé à ces lieux ce soir. Mais tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Et aujourd'hui, les chaînes vont tomber. Les choses qui ne se sont jamais accomplies dans ta vie, les choses vont arriver. Dans ta vie, ces choses vont arriver. Parce que les Écritures me disent, même dans notre vieillesse, il a dit qu'il restera avec nous. Fermons nos yeux, nous allons prier. Le Dieu du ciel. Les dieux qui habitent dans les lieux très hauts. Nous invoquons ta présence au milieu de nous. Nous invoquons ta sainteté au milieu de nous. Dieu, ce peuple est venu vers toi. Ils ne sont pas venus me voir. Moi, je ne suis qu'un simple instrument que tu veux utiliser pour ce peuple. Yahweh, nous sommes venus dans cette nation. Yahweh, tout ce qui était enterré avant de rentrer dans l'année 2021, que ce soit des bonnes choses et des nouvelles choses qui s'accomplissent. Essuie nos larmes. Seigneur, enlève la sécheresse. Enlève la sécheresse qui est entrée dans cette nation, qui va jusque dans le ruisseau, dans les sources d'eau, dans les forêts. La terre est sèche. Moi, je sais que cette année, avant la fin, tu as dit que tu as déjà renouvelé la terre de Congo. Tu as dit que tu as renouvelé la forêt de Congo. Tu as dit que tu as renouvelé les fleuves, les rivières de Congo. Les poissons, se sont enfuis dans les rivières du Congo. Alléluia. Mais Jésus te sent ouvert les ruisseaux et les poissons sont revenus. Tu les amènes dans les rivières du Congo parce que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis venu pour toi. Pour comprendre que Dieu t'a écouté. Que Dieu a écouté nos cris. Dieu aime son peuple. J'ai vu que les gens ont peur. J'ai vu que les gens ne croient pas. J'ai vu que les gens n'ont que des projets d'Europe. Mais les gens de l'Europe dans 3 ans vont zonga na Congo. Même moi je vais revenir ici. Les gens vont venir chercher refuge dans ces pays. Je vous dis la vérité. Si tu as un stylo écrit dans 3 ans, ce pays va devenir comme l'Éden. Alléluia. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de la mort? Si je meurs aujourd'hui, je serai sur le genou d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Les gens qui font la volonté de Dieu n'ont pas peur. Ils ont confiance en Dieu. Ce que je n'ai pas pu avoir aujourd'hui, demain, avant que le matin arrive, je l'aurai.
Mais faire la volonté de Dieu, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le faire. Même au niveau des serviteurs de Dieu. Arrêtons de faire tomber les disciples de Dieu. Nous devons faire tomber les disciples. Nous devons dessiner l'œuvre de l'ennemi dans ces pays. Nous ne croyons pas. Amen. Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. Nous prions Dieu. Mais nous ne le connaissons pas. Les gens disent qu'il faut vendre le Congo pour qu'on se partage l'argent. On ne va pas vendre le Congo. C'est notre terre. S'il y avait une chose, que les gens aillent chercher de l'argent à la banque et leur mari était allé rester dehors, ils allaient pousser des cris jusqu'à faire à déchirer les ciels. Maman, qui est assise? On t'a mis un masque sur ton visage. Mais aujourd'hui, tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Tu as la possibilité de faire de la seule personne qui a la possibilité de faire, c'est Dieu. Amen. Dites amen. Amen y a bateau baso que na kolonga. Amen des vainqueurs. Amen y a bateau balongi. Amen des vainqueurs. Nous voyons des gens qui tombent et qui se réveillent. Parce que notre pays commence à être comme Sodome et Gomorre. On a dit à Ninive. Même les enfants, ils ont porté des sacs du petit jusqu'au roi. Ils ont porté des sacs pour que Dieu ait pitié de leur nation. Parce que Dieu avait pris la décision de détruire ces pays. Mais ils ont fléchi leurs genoux. Et Dieu a changé les choses. Le Dieu de Jacob, il a la possibilité de changer les choses. On n'est pas en train de faire le magablo. On n'est pas en train de prêcher les magablo. On est en train de prêcher les gens qui sont enfermés pour qu'ils soient libérés. Le royaume de Dieu doit être rempli. Que le royaume de l'ennemi soit rétréci. Dieu va détruire, déraciner tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça. Nous sommes là. Dieu est au contrôle. Il aime son peuple. Depuis longtemps. Dieu regarde l'alliance qu'il a fait. Parce que notre pays, c'est un pays des prophètes. Ce n'est pas les prophètes qui demandent de l'argent. Alléluia. Amen. Si moi je prophétise pour toi, je ne vais pas te demander l'argent. Parce que je reçois gratuitement, je donne gratuitement. Moi je ne suis pas une commerçante. Pour vendre des prophéties. Je prophétise pour toi, je ne demande pas l'action de grâce. Parce que Jésus nous a dit, parce que les signes vont vous accompagner pour qu'ils sachent que vous m'appartenez. Amen. 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 Bon, on a un jeu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si nous changeons tous nos caractères, nous les serviteurs de Dieu,
Ça va pas faire deux jours. Ce pays va changer. Amen. Il y a quelqu'un qui connaît cette chanson pour continuer? Il n'y a personne? Dieu a un plan merveilleux. Le plan de Dieu ne c'est pas pour toi seulement. Pour tes descendants aussi. Dieu veut faire de grandes choses, de bonnes choses dans ta vie. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu craignent de faire la volonté de Dieu. Si je le fais, les gens vont dire. Les gens peuvent parler. Pour la volonté de Dieu, vous pouvez parler. Allez m'accuser à la commune, mais je vais le faire. Amen. Amen. Nous avons la possibilité de changer même cette nation. Il y a beaucoup d'églises dans ces pays. Mais pourquoi il n'y a que les mauvaises choses qui s'élèvent? Pourquoi nous nous critiquons tout le temps, nous insultons tout le temps? Est-ce que les rivières peuvent se battre entre eux? Alléluia. Amen. Pourquoi nous sommes en train de séparer notre royaume? Parce que nous ne sommes pas dans le même camp. Amen. Amen. Est-ce que parmi nous, il y a des serviteurs de Dieu? Et les servantes de Dieu? Amen. 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 Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu? Ne craignons rien. Les choses qui vont s'accomplir dans ces temps, il n'y a que Dieu qui va le faire. Pour ta vie, que les gens veuillent ou pas, ça va s'accomplir, ça ne concerne pas Dieu. Dieu a dit à Moïse, pourquoi ce peuple crie? Moïse n'a pas su bâton zété. Moïse, je t'ai donné un bâton. Allez, maman, qu'on avance. Commence à avancer. Maman, qu'on avance dans ma prière. Commence à avancer dans la prière. Maman, qu'on avance dans ma prière. Commence à avancer dans la prière. Je vois que tu as mis la mer rouge. Nous sommes arrivés devant la mer rouge. Et l'eau va s'ouvrir. Enlève la peur. Nous commençons à avancer avec nos enfants. Si tu es au milieu de nous, tu sers Dieu pour l'argent, arrête ça. Il y a beaucoup de bénédictions qui viennent que d'en haut. Tes bénédictions, même s'ils les ont enterrées, la terre va le vomir. Tu ne vas pas faire d'efforts. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me conduit comme ça. Parce que lui, il est Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Parce qu'il y en a d'autres qui sont serviteurs de Dieu. Mais là où il prie, on ne lui a pas permis de prier. Nous sommes arrivés au moment où Dieu va donner un bâton à une femme. Que les gens veillent ou pas, ça va s'accomplir comme ça. Alléluia. Amen. Nous allons confondre Batébélé. Dieu va confondre beaucoup de gens. Il va donner un bâton à une femme. Pour que l'eau soit séparée. Je veux que tu t'as. Parce que ça y a yo. Toi accepte. C'est pour toi ce soir. Hey! Alléluia. Ça va s'accomplir. Regarde ça. 2020. 21. 22. 23.
Vous allez voir, tous les gens qui vivent en Europe vont revenir ici. Amen. Maman alors, les gens qui sont partis en Europe, ils vont revenir dans ces pays. Ils vont te chercher. Alléluia. Amen. Si nous connaissons vraiment notre pays, nous allons être fiers de ces pays. Mais nous ne connaissons pas ces secrets. Dieu a gardé ces secrets. Mais il veut le montrer à son peuple. Ce peuple qui font sa volonté. C'était en 2020. Dieu m'a dit qu'il faut aller à Béni. J'ai dit Dieu. À Béni. Il m'a dit oui. J'ai dit ok. J'ai dit, je vais faire ceci, je ne dirai à personne. Tout ce que Dieu te dit, il ne faut pas le dire aux gens. Il y a des choses qui ne sont que pour toi et ton Dieu. Même pour ta meilleure amie, il ne faut pas le dire. La meilleure amie, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te conduit vers la destinée de ta vie. Tu as beaucoup d'écales dans ta vie. Parce que tu ne sais pas garder ton secret. Tu crois que c'est parce qu'on mange ensemble que c'est mon ami. Alléluia. Amen. Mais tu devais être déjà loin dans ta vie. Dans certaines, dans beaucoup de choses. Mais tu es là, tu es toujours dans les combats et les combats. Parce que tu ne sais pas garder ta bouche. Alléluia. Amen. Dieu a dit, Dieu me dit, il faut aller à Béni. J'ai dit, si je dis ces choses même à mes enfants, ils vont dire non, maman. J'ai dit, deviens même Abraham. Deviens même Abraham. Fais la volonté de Dieu. Il y a une chanson que maman Laure chante. Elle a dit à qui sensu, quelle personne ne m'a vu. Mais Dieu me voyait. J'ai parlé avec maman Laure. Je l'ai vu en 2000 elle chantait. J'ai senti la présence de Dieu en elle. Je dis aux gens cette femme, Dieu va l'élever. Alléluia. Amen. Bien aimé. Amen. Le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est lui qui va te témoigner, pas les hommes. Si tu crois seulement aux hommes, ils vont huer sur toi un jour. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'ai dit, même mes enfants spirituels, je ne vais pas leur dire. Ils vont voir seulement que je suis arrivé à Béni. Alléluia. Amen. J'arrive à l'agence. Les billets étaient tellement chers. J'ai demandé, pourquoi les billets coûtent aussi cher? On m'a dit, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? J'ai dit, mais pourquoi vous vendez les billets alors? Vends-moi un billet. Alléluia. Amen. J'ai pris l'avion. Tu as déjà porté la croix de Jésus. Dieu t'aime. Il t'aime beaucoup, ma soeur, mon frère. Il a beaucoup de bonnes choses pour toi. Les choses qui sont dans ta vie que tu n'as jamais vues. On n'a pas dit que les bonnes choses, tu dois avoir un jeep. Tu dois seulement avoir une grande maison. Il y a des grandes choses aussi que Dieu a gardées dans ta vie. Mais il demande à ce que tu puisses faire seulement sa volonté plutôt. Dieu m'a dit, tu dois prendre le bâton que je t'ai donné. Parce que tu dois l'emmener à Béni. J'ai pris les bâtons. J'ai pris ma belle-fille avec un autre enfant pour m'accompagner à l'aéroport. Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai senti comme si on m'avait donné un coup au niveau de ma hanche. Comme le coup qu'on avait donné à Jacob.
Il a dit à l'ange, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me béniras. J'ai commencé à traîner ma jambe. Ma belle-fille commençait à rigoler. Je dis, ne rigole pas, crains Dieu. Je lui ai dit, moi, on ne va pas me contrôler à l'aéroport. Alléluia. Amen. J'arrive à l'aéroport. Les gens qui étaient là pour faire les check-in disent, non, laissez-la passer parce qu'elle a mal à la jambe. Je suis allé directement dans l'avion. Je suis allé à Beni. J'ai vu comment les maisons sont trouées, il y a des balles partout. Les gens qui sont venus me chercher, ils m'ont dit, Maman Kimbangu, on doit te mettre dans un hôtel vraiment dans la ville pour la sécurité. On arrive là-bas, il n'y avait plus de place. On m'a dit, il n'y a plus de place, on va vous mettre dans l'hôtel juste à côté. Mais il faut être forte. Parce que les rebelles passent par ici. Je dis, ils passent par ici. Je dis, maintenant, passons par là. Je dis, rentrons par là. On va rentrer par là. Dieu m'a donné pour m'envoyer beaucoup de choses. Tu ne peux pas les faire parce que tu as peur. J'ai dit, avancez la voiture. Nous entrons la voiture vers le chemin. J'ai dit, prenez-moi. Amen. Dieu veut que par toi, tu délivres cette nation. C'est toi. Nous allons laisser les habits, les bijoux et tout le reste. Mais nous allons partir avec nos notes que nous sommes en train de faire sur cette terre. Tout va s'accomplir. Quand nous sommes sortis, nous sommes allés à l'hôtel. Ils m'ont dit, ici, il y a seulement 3 km qui nous séparent des rebelles. Et derrière, là, ils ont tiré des balles partout. Comme on vous laisse ici, il faut être très forte. J'ai pris mon bâton. Je dis, je suis venu à Beni avec Dieu. C'est lui qui m'a envoyé. Si un bien-aimé qui frappe, peut dire Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'envoie toujours dans des missions impossibles. Quand j'ai fait une mission, les gens doivent parler toujours. Mais je l'ai fait toujours. Dieu me dit, il faut aller à la source du Congo. Je dis, mais Dieu, l'autre pasteur là, c'est un grand pasteur. Tu peux l'envoyer. Il a dit, je ne veux pas montrer mes choses au grand pasteur. Je cache mon secret. Mais je veux te le montrer. Il veut te montrer à toi. Le secret de Dieu. Il a gardé pour des grands, de beaucoup de personnes. Il est le Père. Et quand nous sommes arrivés, Dieu m'avait donné des instructions à faire. Et je fais comme Dieu me l'a dit. Nous devons nous rencontrer avec le chef coutumier parce que c'était lui qui gardait la source du Congo et le haut du Congo.
qui garde le haut du Congo, c'est Dieu. Parce que le colo à Congo, parce que la hauteur du Congo, c'est comme si il y a une mais il y a une grande bassine qu'ils ont mis. La pluie tombe, mais ça ne descend pas par terre. Ça reste dans la bassine qu'ils ont mis en haut. Nous devons arracher cette bassine. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit que tu vas faire ceci. J'ai dit au chef coutumier, je vais faire ceci. Il m'a dit non. Dieu m'a dit, je vais lui faire peur devant toi. J'ai commencé à le regarder. J'ai dit, tu vas faire ce que Dieu a fait. Tu connais combien ta prière fait tomber, fait trembler les géants? Mais pourquoi tu as peur? Tu es au milieu de nous. Nous avons peur de la mort. Si nous mourons avec Jésus, nous serons dans des bons endroits. Alléluia. Amen. Nous sommes là. Dieu m'a amené autrement. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles. Parce que notre Dieu est bon. Il est bon. Nous allons dans les livres des Actes des Apôtres. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 7 et 34. Amen. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ces lieux-ci. 34. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est au Congo. Amen. Amen. J'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, vas-y. Je t'enverrai au Congo. Je vois comme si on nous a mis quelque chose devant le visage. Bien-aimé, notre pays. Un jour, l'Esprit de Dieu me dit, il m'a dit les diamants et l'or, c'est moi qui les fais sortir. Ils peuvent les voler, mais ça ne va pas se finir. Amen. Même notre terre. Il y a un secret, mais nous ne le connaissons pas. Alléluia. Amen. Congo est un Le Congo, ce n'est pas un pays qui est entouré mais de nuits. C'est un pays que Dieu a entouré des étoiles. Personne ne peut détruire ces murs. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Dieu dit, il a fait l'alliance avec Abraham. Il a dit à Abraham, ta famille va aller en esclavage. Ils vont devenir des esclaves. Mais toute personne qui va faire devenir mon peuple, c'est moi Dieu qui va le juger. C'est moi le Dieu qui va le juger. Qui a fait de toi son esclave? Qui a détruit ta vie? Qui a détruit ces nations? Qui a fait de ces peuples son esclave? Verset 7. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Dit Dieu. Après cela, ils sortiront
et ils me serviront dans ces lieux-ci. Toute nation, toute personne qui va faire souffrir la nation du Congo. Dieu a pris la décision. Dieu a pris la décision. Dieu va faire un signe dans ces pays. Même les gens qui prennent. Que l'œil de Dieu, c'est comme la lumière dans ces pays et dans ta vie. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Parce que nous allons nous arrêter. Et Dieu dit ciel. Comment les gens vont savoir que nous sommes tes envoyés? Si tu nous laisses seuls, Seigneur, accompagne-nous par des signes pour que ce peuple sache que c'est toi qui as délivré. Que le bonheur, le bien ne vient que de toi. Le bien qui dure ne vient que de toi. Ça ne vient pas d'un homme. Il n'y a que Dieu qui guérit. Le Dieu de Jésus-Christ. C'est lui qui guérit. C'est le Dieu de Jésus qui guérit. Que le Dieu de Jésus qui guérit. Le véritable Dieu, c'est le Dieu de Jésus. Il a dit, je vous montre un signe. De connaître le véritable Dieu. Le véritable Dieu, c'est le Dieu de Jésus. Moi, ce n'est que le nom. Je ne peux rien te faire. Alléluia. Amen. Maintenant, aujourd'hui, toi et moi, nous allons dire quelque chose à ces dieux. Il faut que quelque chose se passe. Le drapeau de Dieu s'est élevé dans cette nation. Servante de Dieu. Papa pasteur. Rentre dans la vie de sanctification. Amen. Dieu veut que tu sois un instrument de grandes choses. Il veut faire de grandes choses à travers toi. Il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu a dit à Moïse, c'est moi qui va parler à travers toi. Il faut obéir à tout ce que Dieu te dit. Tu as pris beaucoup de révélations, des visions par rapport à ces pays, mais tu as toujours peur. Mais ce que tu as appris va s'accomplir. Tes rêves vont s'accomplir. Tes rêves vont s'accomplir. Non, si tu le crois, on se lève et on acclame. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Maintenant, nous commençons à prier. Dieu te connaît par ton nom. Il connaît le nombre de tes cheveux. Si on avait pris ton mari, même si on a mis les Zakalaha. Même s'ils ont mis les Zakalaha, ça sera nul et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les gens ont commencé à avoir plus peur des produits, des fétichères que de Dieu. Et la puissance de Dieu s'est arrêtée. Et c'est Dieu là est parti en vacances. Et c'est Dieu là a arrêté d'agir. C'est l'esprit de peur qui t'a fait encore peur. Fais seulement ce que Dieu te demande. Si tu ne le fais pas, il faut demander pardon à Dieu. Si tu le fais, dis Dieu, je vais encore continuer à t'obéir. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Parle avec ton Dieu. Il te connaît par ton nom. Les gens ne te connaissent pas, mais lui, il te connaît.
Il y a un secret qu'il a caché. Il veut les sortir par le temps de la fin. Nous commençons à prier. Ozali kolo. Yes. Betela Yesu maboko a bien. Milolo a bien. Ah, Zanzambe. Salaboye. Nanya la tiango awe. Hey, Mitika. Bonne année. Ok. Oyo Yesu apesinga nanya botola yango yebongo ya pimelinga nanya pesanga yango ngai na mitungi sate Yesu nde mopesi miso na ngai beta sepela nako kolela lisusu te nako mitungi sate nako ma ya Yesu asifona ngai na makila ya talo ala Mwana mokonzi azawa Mwana mokonzi abetela mokonzi maboko milolo Yoka Bongo eza motu ya kasi kundi mananga eleki bongo Sipela Kote kakonzi mate Pour rien au monde Kote kakonzi mate Bible lobby, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Alléluia! Jésus-Christ a dit à Pierre, le diable t'a réclamé ce soir. Il voulait te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. C'est la grande préoccupation de notre Dieu, ta foi. Kondi manayo. Alléluia! Toke! Bongweza motuya kasi kondi manaka ele kimboko Iyambala oyo Isa ilamba ya kembo Miso oyo ya mesana komone loko tena bomo inangai Iyambala sambo oyo Eko mona eloko Nanya zondima Mama lobia Gayar zero mokwa wazo koma na tina Parce que nzamba kanya salango Hallelujah Ma mesana komone loko tena vina yo Balobito senge cotisation ane loko A upe satan Ba yebela yo na statu wana Ba bia robalaka na ete A kendaka ke glisa zongaka Bien aimé Elia yebisi Elize Kende kota la 3 ans et demi mvule no kite Kende kota la sima lo sam Bien aimé sambela lisusu Prière esala ke loko Prière échange akama kambo Bien aimé li patango eza mukie Mezo annonce mvula Akaba komona Akomona mvula munene konoka na vina yo Banguna na yo bakomona Toke
bongo eza motu ya kasi kondima na ngai papa tieni ya mbala oyo eza elamba ya nkembo miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai ya mbala sambo oyo ekomona eloko lipata oyo ya moke bosomona ezowa na nse mbula mbula ekonoka akabe ya kumbo Gamosali na kokufela na ila maltete yeso Kino na mona bakamba babongola maloma Kai mosali na koloba mokilio na humiliation te Tatolaka Okolongwa na situation na na humiliation te Kai mosali na koloba mokilio na humiliation te Alleluia Kai mosali na koloba mokilio na humiliation te Ngana lenga lenga te na sayanzambe lisusu na te pate pate Alliance ezama na kolela te na poma ya zambe na poma bitukisa te na poma ya Yesu Asikola, kai na makila ya talo Alakisa, kai elapa ya kepo Ape sampai, mungo ya mwana mokosi Nakona kumanya ye, kuna libela Nakona kote, kona te Nalingi mutabongo iwo kwa bete la Yesu mulolo hao Yesu nanga ye Elika nanga ye Makasi ye Makasi nanga o Zambe ya bolenge nanga yoku mama Yoku mame Zambe ya limota nanga yoku mama Yoku mame Zambe ya mama Mosantu nanga yesu Motema nanga ye Mabato nanga yesu So keep on a bossy, a famine and a zanga is passé. So keep on a kelasi belenga in a zawapio. Bossale kulusse besinga is passé. Nakatabato, kawena kawe. Sabe, moko yabana bazanga babote. Yawe motangis yabana bazanga babote. Yahweh, mon père, si tu blâmes sans tricherie. Yahweh, Yesu, Kumame, Natombo, Nabedi, Napoko, Matika, Tabitu, Akaraba, Noto, Yokumame. Oh my God!
papa Pierrot bina na yo e. Mamba Jibangu